Alors, j'étais ici dans cette pièce avec un bouton mural. Vas-y, dis que tout repose sur mes épaules. Laetitia Descamps, tout repose sur tes épaules. J'espère que maintenant tu te sens bien. Et si tu te sens bien, c'est que ton nez est parfaitement débouché. Alors, on va continuer. J'ai entendu un grincement qui ne doit pas venir de chez moi. Alors, waouh, c'est vrai que tout était extrêmement creepy, hein, je l'avais presque oublié, presque. Genre cette tête là-haut, putain, je sais pas comment je vais découper. Je crois que je vais faire des fragments d'une heure sur les VOD de ce jeu. Et puis voilà. Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, on vient très vite à la réalité, hein. Sauvez-nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Une bouteille. C'est vrai que je commence à avoir de la bouteille. J'en veux pour preuve ceci. Je vous remercie d'applaudir cette non-blague en spammant les capas sur le chat. Donc, c'est quoi cette machinerie du démon? Je pense qu'il faut ouvrir l'accès et que je vais pas l'ouvrir tout de suite. Réduis en poussière ce qui te menace. Ouais! Ok. Alors, ça devient. En fait, à chaque stream, le jeu est de plus en plus creepy, on est d'accord. Parce que là, maintenant, il rajoute des bruits diaboliques. Je sais pas où passer. La bouteille d'alcool, c'est ça. La vodka pure, hein. Pour m'accompagner pendant mes streams, qui est le seul moyen pour que je tienne le coup, hein, évidemment. Je sais pas si j'ai raison de passer d'abord par là. C'est-à-dire dans la joue d'une bonne femme, en fait. Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, sans déconner? Putain, j'étais bien de bonne humeur et tout. Là, je commence déjà à me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Sortez-moi de là. Est-ce que j'ai raison de passer là? Je crois que je m'éloigne, hein. Là-bas, il y a quoi? Il y a une flower. My flower is beautiful. Ah! Je peux monter! Ah ouais, pouf. Ah oui, je n'ai pas mis la chaise de stream de mon chat. Tu as maintenant ta chaise de stream. Bon, attendez. Je pense que je vais quand même retourner d'abord à gauche. Dis bonjour, le chat. Tiens, vas-y, viens dire bonjour. Bon, là, t'as pas dit bonjour, t'as donné un coup de patte à la caméra, mais je pense qu'on peut le déduire par... D'abord la fleur! Ah bon, d'accord. Je pense qu'on peut le déduire par un bonjour. C'est une sale radula. Ah... Ah oui, effectivement. Bon bah merci, parce que je me serais fourvoyé. À gauche, c'est pour des dents. Bon, j'ai plus besoin de dents. Pas de temps à perdre. Ni de temps du tout. Survivre à... Donc là, je dois juste survivre. Je vais tenter de juste survivre. Avec des ennemis pas sympathiques. Et légèrement méchants. Pourquoi est-ce que j'ai un caillou qui saigne? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Ouais, c'est mieux. Non, 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 je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je t'assure que tu... J'allais dire que tu ne me touches pas. Il m'a quand même touché. Alors, on va détruire ce truc noir qui saigne. Pendant que je suis poursuivi par un moustique. Voilà. Ah oui, d'accord, je me suis fait choper. Voilà. Marathon de Paris Simulator 2018. Ceci est l'entraînement. On pourrait presque croire que ce sont les pas d'Alice qui font autant de bruit. Regardez-moi ça. C'est génial! Je ne me fais pas rattraper. Voilà. Je pense qu'il faudrait... Ah voilà. Il faudra ajouter une musique genre Benny Hill là-dessus. Vas-y, donne-moi mon... Voilà. Merci. Bon, je le terminerai pas, mais c'est pas grave. Sur le principe, je l'ai fait. Ce zoom dans la tête d'Alice est, ma foi, fortement perturbant. Alors, ok. Donc, il y a des dents. Par là. Donc, on peut essayer de dentifier. Ah ouais, non, il fallait peut-être que je passe là. Non, on vient là. Voilà, c'est impeccable.
Ah, j'ai bien fait de venir ici. Bon, alors. Comment vas-tu, mon ami? Ah, ça fait tellement pas plaisir de te voir. Est-ce que tu veux bien avoir la gentillesse de zoomer? Non, de viser. Il est gros, quand même. Genre, gros, gros. Hein? Mais non, mais ne me mange pas. Je ne suis pas comestible. Ah, putain, il y a des larves. Comment tu loques? Putain, le mec, il oublie tout à la fin. Si, c'est comme ça. Voilà, je t'ai enlevé une tête. Putain, les larves qui sont là pour piéger le valeureux combattant que je suis. Non, mais arrête de me manger! Ne me mange pas, ne me mange pas! Voilà, on va plutôt prendre des gencives de porc. Putain, mais il a combien de têtes celui-là? Ah, j'allais dire, il m'a pas touché, mais il m'a complètement touché. Mais je peux pas me protéger d'une pluie avec ça. Hein. C'est comme dans Mario, faut regarder les ombres. Voilà, voilà. Pourquoi tu es venu ici, toi, en fait? T'étais bien dans ton monde rempli de trucs dégueulasses. Ah non, mais je brûle vivant. Casse-toi. Ah putain de... Non mais pourquoi tu mets... Mais dégage. Je vois plus rien. Je ne vois plus rien. Ah ouais, j'ai sacrément morflé sa mère le dindon. Vincent Dindon. Tiens, viens là. Voilà, apprendre à viser pour les nuls. Non mais putain. Oh, t'es sérieux. Dégage. Dégage, cours ta race, cours. Bonjour, tu es trop loin. Ah, oh, mais putain de larve. Oh là 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 là. Oh là, oh putain, c'est l'enfer sur terre, ça y est. Dégage. Non, c'est lui que je visais. Ah, évidemment, j'ai plus de batterie. C'est un iPhone son moulin à poivre, sans déconner. Mais vise. Oh là 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 là. Puis les larves qui ripop à l'infinitésimal. Plutôt à l'infinitésimal à la fin. Non, arrête de viser. Cours. Badass. Nique-toi bien. Si vous voyez quelque chose, prévenez-moi. Je ne vois rien du tout. Non mais t'es sérieux, j'ai pas à avoir pété le géant pour me faire tuer par une larve. Dégagez. C'était Tandax, sans déconner. Quand il fait le feu, t'es hier canon. Merci. Bien, j'ai récupéré des dents en or inutiles et de la vie qui ne remplace pas celle que j'ai perdue. Je pense qu'on est bien. Alors, ah oui, attends, il y a une balançoire dangereuse. Tu peux exploser, voilà. Ok, le visage se retourne. Ah ouais, Non, t'en vas pas. Ne t'enfuis pas. Je vole. Je vous aime, mais je vole. Voilà. Voilà, c'est parfait. Attends, j'ai bien toutes les armes, là. Il n'y en a pas une qui s'est pas débloquée. Voilà, non, ok, c'est bon. Ok, on redescend. Bien. Et là, je sais pas où je suis. À part dans le temple du glauque. Putain, ce sont des crayons, les piquets. C'est bien fait, ça. Quelqu'un aurait-il une fleur dans le coin, s'il vous plaît? Il y a un groin par là. Ah bon? Sérieux? C'est pas genre un que j'ai déjà fait dans la... Non, il est là. Non, il est là, il est là. Qu'est-ce que tu vas m'envoyer, le groin? Oh, un panier à pique-nique. Il y a de la vie là-dedans! Je kiffe ce move, sans déconner. C'est ultra stylé. LT, je sais jamais ce que c'est ça.
C'est ce que je pense là. Bon, on va pas le dire. Ouais, effectivement, ouais. En fait, tu te demandes, vu que la glauquerie s'intensifie, est-ce qu'à un moment donné, il y a une fin? Est-ce que le jeu va aller de glauque en glauque? Je pense que la réponse est oui, hein. Regarde pas où tu ressors. Ouais, j'ai vu, effectivement. C'est le cycle de la digestion, on va dire. Non. Oh non, pas elle, putain. Ah non. Ah putain de ta race, je déteste ce truc. Putain, meurs. Ah putain. Dégage. Crève dans ton vomi. Aïe aïe aïe, mais t'as une marée noire là-haut en plus. Oui, je surchauffe, je sais. Dégage. Oui, je sais, je me fais tirer dessus partout. Je m'occupe d'abord d'Annabelle, tu permets? Oh, putain, dire que dans Annabelle il y a Belle. Dégage. Saloperie vivante. Ok. Tout va très bien. Alors, toi. Oh putain, mais vous êtes combien? Ça t'a fait un peu mal? Non, il s'en bat les steaks en fait. Non, mais change. Putain. Bon, alors. Je veux de la vie dans les gâteaux. Ah putain, mais calmez-vous! Oui, de la digestion à l'envers, non, effectivement. Je sais pas comment. Bah putain, mais ça suffit. Mais je veux que ça s'arrête. Ah, dégage! Parapluie! Oui, effectivement, parapluie. Est-ce que tu veux bien crever? Je sais que ça sert à rien, mais. J'ai complètement appuyé sur X! T'es pas sérieux? Ah, et puis t'as l'autre à côté, là, qui la ramène. Mon parapluie protège-t-il d'une bombe nucléaire? Si oui, je veux acheter le même modèle. Je vais aller chez Tati. Parce que chez Tati t'as tout. Nique toi. Toi et tes multiples têtes. Ceci n'était pas la bonne touche. Vas-y, tire. Comment je t'ai own. Dégage. Allez, il te reste une tête. Tu as une tête de plus que moi. Ah putain, il surchauffe ou quoi? Ah oui, il surchauffe. Ok. Un en moins. Même pas tu m'as eu. Bonjour. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite bombe? Je suis une bombe. Vas-y, viens. Balance. Balance man. Cadence man. C'est le Bob man. Et ouais, ça fait mal, je sais. Ah, t'as l'air con là, hein. Ah, t'as l'air con, hein. Tu bouges pas, tu fais rien. Vas-y, je t'attends. En même temps, je peux peut-être tirer. Absorbé. Mais t'es con. Ça m'arrange. Vas-y, hein. Rien à foutre. J'ai un méga parapluie. Allez. On va attendre que mon moulin refroidisse. Allez. Merci. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, sans déconner. Tu te retrouves avec 90 décibels en moins dans les oreilles. Phew. Obligé de descendre pour choper ça finalement. La marée noire. Attends, j'ai pas lu. Salut Noctali. Le live en Comcast sur la télé, mon frère me sent. Hein. Faut,
Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris. De dehors, sans le live, de voir BS Max avec son casque tout seul devant un ordi qui parle seul. Je pense que c'est assez perturbant. En même temps, me voir déjà comme ça est assez perturbant. Oh, une main qui indique le toit. Et si j'allais dessus afin de mourir dans d'atroces souffrances? Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est les bouches qui vont faire une des notes. Oh putain, non, en plus c'est du réflexe. Es-tu prête? Alors non, mais je suis prêt. Did you assume my gender? Vas-y, je suis chaud. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça s'arrête? C'est extrêmement dérangeant. Aucune mélodie ne peut compenser ce scandale. D'accord. Ok. Tout est normal. J'aime ma vie. Et les petits oiseaux. Alors... ça, ça se brise, hein. D'accord. Putain, j'ai vraiment avancé pour voir à travers la fumée. J'ai vraiment fait ça. Il y a des moments où... il y a des moments. Dans la salle, il y a un souvenir d'à côté. Tu pourras aller après, ne sors pas directement. Heureusement que j'ai lu ça pile poil dans le bon sens. Reformer les enfants, les construire, les détruire, les rebâtir, leur apprendre et leur faire oublier. Oui. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi il y a aussi peu d'abonnés? Il y a du bon taf et du bon matériel. Bah écoute, c'est gentil. Faites un raid. Abonnez-vous tous en masse. Alors, là... oh, le train. Oh, le train, il va revenir, c'est sûr. Oh, putain. Je reçois des messages. Qui me perturbe. Je sens mal, hein. It was at this moment Jackson knew he fucked up. Bon, on va quand même essayer d'essayer. Non, je veux pas revoir Annabelle dans le train, putain. Ah, oh, Radula. D'accord. Alors là, à mon avis, ça, ah, ça va être un boss rush cette fois-ci, à mon avis. Je vais devoir tuer tout le monde. Redescends. Merci. Comme chacun sait. Mais non! Mais non! Mais j'étais complètement dessus! Alors je veux bien que Alice s'aglisse au pays des merveilles, mais mais là quand même, non quoi. Sans déconner. Allez, tombe, tombe, tombe. Sert de l'hypnose pour faire de la manipulation mentale et leur inventer des vies. Ouais. Oui, 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 effectivement. Putain, c'est hardcore. Si t'as des gens comme ça. Ah oui, c'est le... attends, tu veux bien me laisser deux secondes comprendre ce qui se passe? Ok. J'ai l'impression de... putain, comment il s'appelle ce jeu sur PS1 avec la boule, avec le ballon là que tu mets dans tous les sens? Cusco, non, c'est pas... putain. Si quelqu'un replace, je l'aime. Pourquoi est-ce que je m'acharne à prendre les dents alors que de toute façon j'ai plus rien à acheter avec et que je risque la mort? Oh putain! Je m'y attendais pas. Je vous le dis, je m'attendais pas. Putain, putain. Kirby World. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas Kirby. Kuma. Putain, c'est... oh putain, mais regardez-moi cette tête. Alors je sais qu'elle a les yeux d'Alice, mais enfin c'est ultra creepy. Kuma World, non? Ah oh, putain, je sais plus. Mais je pense que on parle de la même chose. Non, 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 tombe pas. Pourquoi je dirige une tête? Kula World, c'est ça, putain. Merci.
Merci Laetitia, tu as trouvé. Bravo. Par contre, ah oui, d'accord. Attends, parce que le Vobi, non, ok, t'es là. Qu'est-ce que putain de quoi? Maintien X pour charger et lâche pour tirer. Ah oui, je suis là-haut, moi. Ah non, je suis le canon. Ce qui peut paraître très prétentieux. Bah non, pas du tout. Bah non, pourquoi t'as fait ça? Ah non, bah non. Ah si, je reprends là. Ok, attends. Attendez, je suis la concentration à l'état pur. À l'état pur. Ok, c'est bon. Ah, il fallait peut-être que je retombe dans le canon. Ok, c'est Donkey Kong Country. On va y arriver. Voilà, regarde. Maîtrise. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. D'accord. J'avais que la démo de ce jeu, j'ai fait une cinquantaine de jeux. Une cinquantaine de fois. Alors, on avait la même démo, et on l'a fait autant de fois. C'est ça le pire, en fait. J'avais que la démo de ce jeu, et je... Qu'est-ce que je l'ai dosé. C'est dit, même la démo de Spyro. Hein. Quand j'ai eu le jeu, je connaissais déjà par cœur ce qu'il fallait faire dans les deux premiers mondes. Je dois aller où, là? Bah, en face, en fait. Oh putain, ça va Pachinko. Ça y est, je suis au Japon. J'ai toujours voulu y aller, ça y est, j'y suis. Bon, s'il ressemble à ça... Non, je veux pas mourir! Oh non! Oh non, le jeu... Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi pas une autre lettre? C'est complètement Donkey Kong Country. Non, je l'ai pas, je l'ai. En fait, c'est un mélange de squelettes, de têtes de poupées et de lapins crétins. À quel moment est-ce qu'on peut mélanger tout ça et être sain d'esprit? Pas bouger. La démo, il y avait Spyro, c'est ça. C'est de là que je le connais. Tu sais que j'ai encore la pochette de... Genre la pochette de CD avec le logo... La noire avec le logo PlayStation dessus. Avec toutes les démos jouables que j'ai dosées à l'époque. Elle est dans mon tiroir, cette pochette. Tout le monde l'avait, hein. Mais je l'ai encore. Ça voulait dire quelque chose, les démos jouables à l'époque. Tu jouais des heures dessus, t'avais l'impression d'avoir le jeu. Ah non, mais... comment je passe? Ah non, faut juste tomber. Faut juste tomber, là. Chemise, ok, c'est bon. Voilà. Il me fait tourner la tête. Caméra. Je comprends pas tout ce qui se passe. Hein. Je dois bien... Pourquoi? Oh mais va niquer des poulpes. Putain. Est-ce que tu connais le concept de checkpoint, le jeu? Est-ce que c'est un principe qui te parle? Ok. On retourne sur le pachinko. Vas-y, fais-moi tomber où il faut. Caméra 1, caméra 2. Caméra 2 en plongée sur la cafetière. Attends, vas-y. Tu m'amènes où il faut. Alors, attends, j'ai une main. Je comprends rien. On va se mettre là. Parce que pourquoi pas. Et, ah bah c'est bon. Oh, c'est bon, je suis arrivé à la niche. Tu ne cesses de me surprendre. Je sais. C'était bizarre. Mais en même temps, qu'est-ce qui n'est pas bizarre dans le jeu? Caméra 4 sur le parking, c'est ça. Ok, c'est bien, j'ai peint une rose. J'en suis heureux. Donc, la radula est en fait, je sais plus où j'étais. J'étais là. Avec Annabelle et le train, oui, c'est ça. Non. Putain, elle s'en va devant moi. On dirait un cartoon. Par contre, tu m'envoies là, c'est bien.
Caméra 5 dans les cabines des CGH. Je valide. Ah, il y a un groin. Je t'ai vu direct, mon gars. Enfin, mon groin. Pique-nique. Un petit plateau repas. Voilà, merci les dents de la mer. C'est quoi ça? C'est un morceau de mur cassé, d'accord. Oh. C'est les machins où t'as les zigouis qui sortent avec un ressort. C'est dégueulasse. Oh non, putain, pas encore. Bon, Kula World, édition creepy. Avec un soupçon de Mario Kart parce qu'il y a des boosters quand même. Enfin, Mario Kart. D'accord. Ça, c'est du mini-golf. Je tombe complètement, on est d'accord. Merci. Il faut peut-être de l'élan. Parce qu'un autre animal, ça marche pas. Ok, à la niche. C'est tout ? Pas du tout. Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la gueule ? D'accord, c'est un arrêt-tupteur. Donc. Bon, ceci dit, le jeu a... Mais nique ta mère ! J'ai complètement visé le canon, t'es pas sérieux ? J'allais dire un truc bien sur toi, le jeu, en plus. Alors, franchement, voilà, je suis déçu. J'allais dire, le jeu a le mérite de proposer plusieurs types de gameplay. Je vise le canon. Mais non ! La patience est une vertu. Est-ce que tu veux bien, connard, viser le bon canon ? S'il te... Putain ! What ? Mais je suis en bas... Mais... On va y arriver. Un jour, peut-être. T'as que savoir viser. Ça va, ça va. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu dis de ça? Au bout de... GG first try. C'est pas du tout la quatrième fois que je m'y mets. Alors. On va attendre que le... truc tourne. Go! Ok. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même pourquoi j'essaie de décrire en fait. C'est un mélange de kaléidoscope, de sucre d'orge, avec des logos PlayStation mal faits, en bois, avec beaucoup de trucs autour qui sont complètement gore et dégueulasses. Ce programme vous est proposé en audio description. J'imagine que c'est là. D'accord. Avec un soupçon de mini-golf. Je passe là ? Ah oui, c'est... D'accord, tout va bien. Je comprends tout. Là, je passe ! Oups. Ton humour n'est pas apprécié de tous. C'est pas grave. Je ne prétends pas être... Oh, mais nique ta mère. Je ne prétends pas être apprécié de tous. Je n'ai pas cette prétention. Vas-y, vas-y. En plus, l'autre, il est chargé et il bip, on dirait une machine à laver quand elle attend que t'étendes les fringues et alors que tu veux pas. Là, tu passes. Oh putain, faut viser là. Hein. Ah, faut double viser. Hein. Oh putain, faut le pattern. Oh putain, il faut attendre le bon pattern. C'est horrible, c'est horrible. Je déteste ces moments-là. Mais non, là je passe. Là, non, j'ai pas le pattern. Oh là là, sans déconner. Non. Ah, oh, puis si je me rate, je dois recommencer les trois. Hein. Attends, là j'ai le pattern. Oui.
à la recherche du bon pattern. Ok. Monte. Et à la niche. Tout va bien. Ce n'est pas fini. Donc je me prends un coup de flamant rose et je balance la tête dans un canon. Là pareil, hein, c'est de l'audio description. Hein. Si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, c'est normal. Oh putain, faut pas se louper. Bon attends, on va prendre un peu de hauteur. Là tu l'as. Voilà, ok. Si j'étais toi, je tournerais encore plus lentement. Je pense que ce serait la meilleure idée. Je suis pas confiant là. Ça passe, hein. Je crois. Je sais pas où je suis, hein. Le retour de la ASMR. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Non, je veux pas aller dans la même case que lui. Qu'est-ce qui a déconné dans ma vie pour que je me retrouve à faire ça? À la niche? Non, il y a un canon. Ah oui, oula! Non, pas taper. Ok. Oh putain, sans déconner. Vous l'aimez votre phase de jeu, hein? Vous l'aimez bien, hein? Hein? Est-ce que c'est possible, dans la vie, d'avoir un meilleur plan de caméra que celui-là pour bien apprécier les distances? Je lance le débat. Voilà. Je te remercie, Léo. C'était gentil. Oh, à la niche. On est bon. Ok, je suis de retour avec Alice. Au pays des pas du tout merveilles. Soyons honnêtes, 2 minutes. Bon, alors là, j'ai un toboggan. Doucement, boudin créole, doucement. Tac. Tac. Ouais, je me suis cramé les miches. Alors, gauche, droite, milieu, centre. On prend pas de parti politique. Hop. Non, non, non. Oh là là. J'espère que ta robe est résistante au feu. Alors tu vois bien les pics juste en dessous qui sont là pour te rappeler que t'es dans un monde de merde en fait. Bonjour. Oh putain, il y a Annabelle, je l'ai vu. Il y a Annabelle, je l'ai vu, je l'aime pas. Vas-y, décide-toi, décide-toi. Ah bon? Non, en fait, c'est jamais tu... Restons zen. Vas-y, balance ta boule, balance ta boule. Tiens. Pas content. Dégage. Merde, c'est pas ça. Le mec, il se trompe de touche. En plein pendant un combat épique. Oh putain, il y a Annabelle, la truc, je la déteste. C'est bon? Arrête de te protéger. Non. Ah. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Oh putain, elle arrive. Ah non, il y en a deux. Oh putain. Non, pas ces trucs là. Dégage. Ah, puis en plus j'ai loupé mon coup. Là je peux choper les deux à la fois, on est d'accord. Il y a un rayon d'action. Ok. Je déteste ces trucs, mais c'est... Qu'est-ce que c'est glauque. Restez buggé à pas bouger, ça m'arrange. On est d'accord que là, ils sont buggés. Oh, comme c'est dommage. Non, mais bougez pas, c'est très bien. Ah merde, ça c'est fini. Non, encore un peu. Ouais, c'est très bien, bougez pas. Prenez la pause. Là, on est bien. J'espère que vous appréciez ce combat épique. On va y arriver, hein.
Un jour ou l'autre. Ça a pas l'air trop bougé là. D'accord, il se passe plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Me dis pas que je dois recommencer. Ah, là ça a bougé. Bonjour. Non mais... Ah non mais elle bouge plus elle. Ah ouais mais non parce que... Joli. Ah non putain, il y a les zigouigouis. Ah non, j'aime pas ça. Oh là là. Attends, eux, voilà, ils dashent comme des tarés. Oh putain, ils sont trop là. Putain, c'est quoi ce boss rush avec des horreurs? Attends, vas-y, déloque, prends ça quand même. Parce que, mine de rien, ça fait du bien. Vas-y, 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 vas-y. Arrête de dasher. On est bon? D'accord, qu'est-ce que c'était que ça? Triche, monsieur l'arbitre, bah attends. Ce n'est pas de la triche, c'est de l'exploitation davantage. Je propose qu'on cherche pas ce que c'est, en fait. J'ai quand même très légèrement l'impression que c'est un mec qui encule un cerf. Non, on va pas chercher. C'est un peu étrange. Alors, ensuite, on a quoi? Moult champignons. Je vois rien. Voilà. Avec ce mur extrêmement dérangeant qu'il convient de détruire. Oh putain, la porte en feu. Cinématique. Ah, là on voit que j'ai pu jouer un rôle dans ce désastre. Mais je n'ai jamais mis le feu. Les centaures n'existent pas, contrairement au docteur. Je l'ai vu, un étudiant sans envergure. Je me souviens de lui. Cette clé, c'est celle de Lizzie. Pourquoi ce temps de chargement ruine la séquence? Ok. En fait, je crois que le jeu vidéo Saw est moins gore que ça. Moins dérangeant aussi. C'est quoi ce bruit? Pourquoi il y a des bruits déjà? Ça sert à quoi les bruits? Oh, gratuit. Retenez vos larmes pour votre grand-père, mes filles. Il vécut longtemps. Et comme le dit la fable, la mort jamais ne surprend le sage, car lorsqu'elle se présente, il est déjà prêt à partir. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Faites confiance au psychiatre maintenant, c'est ça. Regarde ce que ça a donné avec Harley Quinn. Ah mais non, mais arrête de faire ça. À chaque fois, le jeu, j'ai fait 3 mètres. Oh non, il y a des marées noires. Bon, ce sont des petites déjà. Elle repop en fait, non? Ah, elle repop. Elle repop, elle repop. Ça sert à rien ce que je fais. Je peux passer là, non? Ah non, le dieu du mur invisible. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Une usine à horreur. Excusez-moi, je voudrais bien passer. Oh là là. Il n'y a pas que des marées noires. Ouais, non, effectivement, il y a les marées noires volantes aussi. Ah, mais taisez-vous. Sors ta tête, espèce de tortue.
apprécier ce plan de caméra du plus bel effet. Oh mais nique-toi le jeu. Ah, il y a un truc là-bas. Je pense qu'il faut que je passe là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est dégueulasse. Regarde-moi ce... Qui a fait ce jeu? Il faut l'interner. Il voulait me faire faire des choses horribles. Non mais jamais vous allez me lâcher en fait. Ah oh, mais putain. Vous voulez me faire faire des choses horribles. Les tiroirs de viande. Ah mais putain. Ne suis-je pas la plus misérable et égoïste victime du destin? Insouciante, je vis parmi les prostituées. Mon mentor est un violeur et un marchand de joie. Je suis la complice de celui qui a assassiné ma sœur et tué ma famille. Il a corrompu mon esprit. Je cherchais à soulager ma souffrance et vous m'avez détourné de la vérité. Tu y étais presque, presque libre de tes peurs. Tu aurais pu être guéri. Tu aurais pu oublier. Oublier les souvenirs que j'ai de ma famille? Ils sont morts et tu devrais l'être aussi. Vous n'êtes qu'un abominable bâtard. Un meurtrier, un parasite, buveur de sang. Ce que vous avez fait aux enfants, quelle torture! Je fournis des services. Dans cette grande et terrible métropole, il faut assouvir toutes sortes d'appétits. Ma famille, mon esprit, le train infernal! Le train est ton invention, ta parade. J'ai seulement choisi l'heure et l'itinéraire. Le train arrive et ses wagons étincelants. Ses sièges douillets et ses roues de diamants. Vite, mes petits, ne craignez rien, l'homme dont la lune est le mécanicien. J'arrêterai ce train, je l'arrêterai, quoi qu'il en coûte. Ainsi soit-il, tu payeras. D'accord. Tu es perdu, et ton esprit ira bientôt rejoindre ton corps. Peut-être... l'a-t-il déjà rejoint? Tout va bien. Putain, qu'est-ce que c'est horrible. Non, c'est les fantômes des gamins. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le problème que la fille restait au début. Quand je vais faire les découpages vidéo, je vais revoir des trucs. Bonne ambiance, ouais, on est bien. Écoutez, sortez l'apéro. Et toutes les boubous plafonds sont... Ouais, bah oui, j'ai compris, ouais. Ah, mais putain. Ça va loin. Vas-y, va brûler vive là-dedans, toi. Non. Salut Alex Cara, comment vas-tu? Bienvenue sur le live de la décrépitude. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, quelque part. Vous n'êtes qu'un pervers dégoûtant. Ces enfants portent leur nom autour du cou comme des animaux. Plus simple qu'un arbre généalogique. Fais-en autant. Ils sont fiers de leur origine. Vous mentez! Ils ont tout oublié jusqu'à leur identité! Combien d'esprits avez-vous ainsi égarés? Pas assez. Le tien aurait fait ma gloire, mais ce n'est qu'une ruine. Mon travail est fini. Putain, mais quel salaud! Thank you.
train infernal. Ça pourrait bien être plus ou moins la conclusion du jeu. Alors, putain, c'est beau. C'est beau de ouf là. Ça tranche un petit peu avec les trucs bien dégueux. Bon, alors qu'est-ce qui m'attend? D'accord. Chapelier, je dois arrêter putain, ce train d'enfer et les forces qui le poussent. Le clou du spectacle, n'est-ce pas, Miss Marteau? D'abord tes recherches, entravées par ta peur des souvenirs. Maintenant ce train, ce n'est jamais l'heure du thé alors? Si ton cerveau déraille, c'est fini. Nous sommes tous fous. T'aurais bonne excuse pour aller faire un tour en théière, mais pas pour tout oublier. Oublier, c'est oublier, sauf quand c'est plus compliqué. On appelle ça autrement alors. J'aimerais oublier ce que tu as fait. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Vous m'avez abusé, mais vous ne me détruirez pas. Non, les dégâts sont là. L'ancienne Alice et son pays des merveilles sont détruits. Tu n'es même plus capable de t'en souvenir. Tu ne peux rien faire contre ça, ou contre moi. Je m'en suis assuré. Manipulation psychologique. Tu viens pour ton châtiment, alors? J'ai fait quelque chose de mal, mais ma punition ne rendra aucune victime. Le sévice est le crime du fort sur le faible. Certes, les sévices sont insuffisamment punis vu les souffrances qu'ils infligent. Ceux qui assistent à un sévice sans intervenir pour la victime en paient le prix. Tes souffrances excusent ton manque de réaction. Mais tu dois payer, témoin de la douleur des autres. C'est lourd, enfin pas dans un sens négatif. L'atmosphère est lourde quoi. Donc là je suis sur le train là. Vous avez floué ma mémoire. Ok, si tu veux. Je n'ai pas tout oublié. Tu aurais pu être une brave fille. Beaucoup de mes clients cherchent une belle femme sans illusions stupides, sans souvenirs encombrants, ni rêves de prince charmant. Tu n'en as fait qu'à ta tête. T'accrochant désespérément à tes fantaisies, t'es folle comme ta sœur. N'en parlez pas! Vous n'en savez rien. Ta sœur était taquine. Elle m'a bien provoqué. Elle a eu ce qu'elle méritait, pour finir. Connard? Peut-être. Non? Oh. C'est ça, c'est horrible. Jusqu'où ira ce maudit train? Folie et destruction. Tu ne devrais pas poser des questions dont tu connais déjà les réponses. C'est impoli. Tu sais bien que ta sœur ne parlait jamais dans son sommeil. Oh! Non! Pauvre Lizzie! Il n'y a pas de centaure à Londres. Ta survie est notre salut à tous! Ne nous oublie pas! La fin du chapitre 2 avec le spectacle du chapelet, elle savait pour les poissons, elle était témoin des. Ah, oh là là, ouais. La reine de cœur était sa sœur, je viens de le comprendre, ouais, ouais. Elle est toujours aussi atroce, mais ouais. Ah, oh, putain. Lumière. C'est la machinerie du train. Oh putain. Tu es si lente. Bon, rien d'étonnant à ce que ce truc soit un genre de boss final. Il va falloir trouver comment. Excuse-moi, j'étais en train d'essayer d'analyser la situation, tu vois moi. On se calme. Non, en fait il faut juste dasher quand il essaye de te taper. Putain, c'est la chose. Ah, les ongles. Ah, puis évidemment il y a les... Oh là là, mais doucement. Bon alors lui, il y a les marées noires là.
ça fait quelque chose, ça, j'ai pas l'impression. Non! Non, parce que j'ai dit non. Ah, mais vous dégagez en fait. Oh, mais tu. C'est. Attends, je peux faire un truc là? Non. Ou si. Non, si je devrais. Là, je peux le taper. Ouais, c'est trop tard. Je pense que j'ai laissé passer. Ça, ça a pas l'air de faire un truc. Vas-y, dash! Ah putain, caméra, caméra, caméra. Si vous voulez bien avoir l'obligeance de dégager. Vas-y, crash. Non, vise. Sérieux. Ok, vise. Vise-le, s'il te plaît. Je suis pas certain à 100% que ça avait fait un truc. Mais au moins c'est ce que je voulais faire. Dégagez. Non, dégage. Lâche-moi. Ok, dash, 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 barre-toi. Rire. Non, dash. Dash, dash, deux en un. Barre-toi, tu vas te faire griffer. Et ça a pas loupé. De toute façon, ces trucs repopent à l'infini, j'ai bien compris. Mais... bonjour. Non. Non, quand c'est noir, on peut rien faire, je crois. Okay. Si j'ai bien compris. Ce qui est pas sûr. Donc là, et voilà. Il se transforme en Norbert Dragonneau. Ah okay. Ah non 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 non. Tu veux bien cramer tes marignons. Merci. Ok. Style. Ok. Je lui ai fait mal à la main. L'oubli se paye au prix fort. Attention hein, sinon je tire une balle dans la tête à la main. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh pff, d'accord. Réflexe. Je crois qu'il est mal placé pour le glaive frappalin là. Un petit peu quand même. Ok. Déloc. Non je veux pas. Non mais il va me filer une claque ce con. Non, déloc. Non mais il marche vite. On se calme. Dégage. Non mais dégage complètement. Ok, il faut dasher, double dash. S'il vous plaît, dégagez. Ok. Attends, là, aïe. Putain, j'ai pas vu venir. Ah putain, il était atteignable, je crois. Il faut se mettre derrière un poteau, je vais mourir. Ok, hypothèse du poteau confirmée. Oh, de la vie, merci. Qu'est-ce que tu fais? Backdash, backdash, backdash. Pas taper. Oh non, le gros. Ah bah non. Non, casse-toi. Under my umbrella. Elle a, elle a. À moitié. Oh putain, mais j'étais derrière. Bon, d'accord, mais ça va pas m'aider pour la main, ça. Toi, tu dégages. Tu prends de la vie. Ça aide pour la main? Non.
T'es où? Ah d'accord. Vengeuse idéaliste. Il veut se foutre une... Ouais c'est ça. Aïe, bah non, ah bah non mais pas deux. Oh putain il va faire clap clap, il va. Ok, il y a plus de tête sur celle-là. Et sur l'autre, non plus. Il y a juste un trou bien dégueulasse. Non non non. Putain mais je dois faire quoi là? Ah, tente des trucs. Absurde pugilat. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Oh c'est dégueu. Ah là là là, je les ai vus. Un peu tard je crois. Ok. Bon, faut éviter les mains. Toucher les marées noires volantes. Je suis tellement sûr que je recommence phase 1. Si je meurs, dégage. Je sais pas à quoi faire. Donnez-moi de la vie. Toute la vie. Il n'y en a aucun qui sort sa tête, je vais regagner 0 vie. Je ne sais pas où je vise, hein. On est tous d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire que je piffe toute ma vie. Oh putain, j'ai tellement pas de vie. Meurs toi, meurs. De la vie, ok. Je suis mal. Vas-y, monte ta tête. Monte ta putain de tête, sors. Crève, vie, ok, bah, barre-toi. J'ai un sursis. Vas-y. Alors, ok, c'est dans sa langue. Tout est normal. Pourquoi je dis ces phrases? Non, 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 je veux pas de ton coup de main. Ah putain, il fait mal. T'es bloqué la main. Non, merde, beau putain. Voilà, énerve-toi. Effrayé par ton nom. Vas-y, sors ta langue. Mais vise. Ok. On repasse en marée noire volante. Non, mais meurs-toi. Il y a de la vie là-bas. J'ai la vie là-bas. Non! Putain, je l'ai pas vu! Dégage, lâche-moi! Je suis toxique. Non, pas la main. Il est juste derrière, je vois rien! Ah, nique-toi! Non, déloque. Vas-y, tiens. Ah, putain! Cette non-synchronisation est totale. Dégage-moi ce truc! Oh là là, vas-y. Vas-y, vise. Il est au sol. Ok, tac. On repart en mode main? Ouais, visiblement. Non. Je veux pas que tu me touches, j'ai pas envie. Tu l'as déjà fait, visiblement, et une fois ça suffit. Non! Insaisissable. Je suis donc un prestidigitateur qui vole des banques. Cette tension permanente. Misérable insecte. Toi-même. Vas-y, sors ta langue. C'était la dernière tête, non? Sors ta tête. De la vie. Mais prends-la, Deloc, et dash. De la vie, prends-la, Deloc, et dash. Non, la main. De la vie. Pas de vie. Oh non, t'es sérieux? Pas maintenant. Fous-moi. Aïe! Vise. Et alors?
C'est le GG? C'est le GG? GG first try, putain! Ah, ça fait plaisir. Pas d'indulgence, non. En prison, d'autres détenus vont s'occuper de vous, croyez-moi, et pas par devant. Vraiment? Une femme hystérique, anciennement internée, vociférant des accusations à l'encontre d'un scientifique et philanthrope réputé, grand Dieu, Alice. Qui va t'écouter? J'ai moi-même du mal à y croire. Vous, vous n'êtes qu'un monstre. Un jour viendra, vous serez puni. Par qui? Par quoi? Pauvre idiote psychotique, ta folie te condamnera. Va-t'en, ta remplaçante va arriver. Ta remplaçante va arriver. Bon, en même temps, c'était... Oh putain, les yeux. C'était prévisible, mais je m'attendais à un tout petit peu plus de... Ok. Ceci dit, rapide et efficace. Ouah, les couleurs reviennent. Tout d'un coup, elle se sent mieux, entourée de champignons géants. Oh, comment j'ai eu mal. Y a une flower? Non. Et c'est ainsi que... Agonisant. Je vais terminer le jeu avec une demi-rose de vie. Tout va bien. Ah, cette image. Ça serait beau s'il n'y avait pas des éclats de verre ensanglantés pour montrer que j'ai pas de vie. Maison de correction. Forcément, faut y entrer maintenant. Ah, Little. Non, même pas. Nous ne rentrerons plus. C'est ainsi, que veux-tu? Ah ouais. Bien peu savent trouver le chemin. Et ceux qui le trouvent ne s'en rendent pas compte. Les illusions s'effacent. Seuls les sauvages résistent à la douleur pour prouver leur qualité. Oublier est plus confortable, garder la douleur. Une torture. Mais certaines vérités justifient les souffrances. Le pays des merveilles amoché reste dans ton cœur. Pour l'instant. C'est fini! Ah putain! Alors, je suis désolé, mais j'ai first try le boss final. Je suis content! Parce que moi, j'ai pas de skill, d'accord? Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Vous aimez tous me voir rager et perdre. J'ai first try le boss final. Voilà! Putain!